Donc, si nous faisons un petit bac, nous pouvons avoir un pile haïtien que nous arrêté dans la question de drogue. DEA, États-Unis toujours collaborer avec BLTS en Haïti pour qu'apprend moun qui est dans question drogue et surtout moun qui fait drogue entrer aux États-Unis ou bien qu'a blanchi l'argent drogue aux États-Unis. Moun sa yo, à travers ça, nous signons avec les États-Unis et que grand pile moun qui mettait ça en question, tout mettait en doute par rapport à ça, nous signons. Mais c'est un fait. C'est que chaque fois que moun sa yo, yo voye yo aux États-Unis. Étant donné que la justice haïtienne à aucun moment de la durée, hein, presque pour tout moun yo prenant drogue que moi-même qui dans média toujours ap suivre tendez, si nous prenons Ketan, prenons Fouel Célestin, nous prenons Idi One et j'en passe, moun sa ou toujours aller aux États-Unis et là ou tourne effectivement la justice haïtienne pas jamais reproché ou en rien, pas jamais traîné au devant tribunal. Donc, ça veut dire, c'est un travail BLTS, la police haïtienne, la justice haïtienne a fait pour les Américains. Est-ce qu'on parle comme ça? Ce n'est pas pour tête qu'il a fait, c'est pour Américains. Donc son travail a fait pour Non, amis. ma plutôt avec conclusion Paul là, sous ça, d'accord? Moi-même, ça me ka di ou, c'est que il est évident que dans tout cas qu'on nomme là, que système de justice haïtien hein, pas fonctionné. Il pas fonctionné. Nous connaissons pas fonctionné. Un président mourir, nous avons un monde qui passe devant le tribunal. D'accord? Un président assassiné, pardon. Nous avons un monde qui passe devant le tribunal. C'est-à-dire le système de justice haïtien, dans tout ce qu'a parlé là de reconstruire le pays, c'est une bagaille qui pour refaire. Et exemple pour Baylayo, c'est des exemples qui patent, qui démontraient que le système n'a pas fonctionné. Et le système, lorsqu'un pays qui pas fonctionné, il est facile pour des intérêts étrangers influencer ce qu'a fait dans le pays. Parce qu'en réalité, ou bien raison, dans tout cas qu'on dit, ils n'ont pas jugé Mounio en Haïti, et là, au fin, fait sentence aux États-Unis, ils ont retourné, et puis ils ont continué à vivre normal. Donc, ça, pas normal. Il n'est pas normal que y ait un monde qui fait un crime en Haïti, et qui gagne un impact sur la qualité de vie des Américains, mais crime, non, en réalité, ça n'a été fait. C'est-à-dire que crime, non, pas puni. C'est impact crime, non, qui punit dans l'autre pays qui subit. Mais le crime lui-même, commis en Haïti, n'est pas jugé.